Madame, Monsieur, bonsoir. Je suis ravi de vous recevoir dans ce nouveau décor. Depuis quelques jours, tous les présentateurs se prêtent à l'exercice. Le nouveau décor est là. Il va falloir s'adapter avant la grande première demain. On prend très vite des réflexes sur un plateau. On a plein de repères visuels, les regards caméra, les axes. Donc on a ces habitudes et justement ces habitudes, il faut les oublier quand on est sur un nouveau plateau. Et celui-là, il est vraiment impressionnant. Je pense que c'est le plus beau plateau sur lequel j'ai jamais travaillé depuis bientôt 20 ans que je travaille à France 3 Picardie. J'ai l'impression d'être dans le vaisseau spatial de Star Trek, d'être le capitaine Kirk. Mais pour donner un vaisseau au capitaine Kirk, le studio est vidé le 11 décembre et c'est parti pour 2 mois de travail acharné. Tout est refait du sol au plafond, après 11 ans sans bouger, le décor est transformé, plus aéré, modernisé et entouré de 14 écrans. Ça va servir à valoriser notre travail. Effectivement, il y a des images qu'on peut faire, des photos qu'on peut faire, des vidéos qu'on peut faire, toutes sortes de contenus, d'actualités qu'on veut traiter. On était parfois limité par le plateau qu'on est avant. Là, on a beaucoup plus de possibilités. C'est très moderne, très coloré, très sobre en même temps, très épuré. Et tout ça pour l'info. Donc on est content d'avoir des moyens et aussi un très beau plateau avec quelques images de la région. On le voit, la campagne, les fleuves, un peu les villes. Donc pour que chacun s'identifie dans ce plateau, et ça c'est formidable. Face caméra, le changement est visible, mais la régie n'est pas en reste. Tout le monde s'active. Il a fallu intégrer la nouvelle identité visuelle de la chaîne. On s'adapte à une charte qui nous a été fournie par Paris. Et ensuite, il faut s'adapter à toutes ces choses-là, les cadres, les effets, les trucages. Plus épuré, harmonisé avec les autres chaînes de France Télévisions. En tout cas, on espère que cela vous plaira. Décollage du vaisseau demain. On sera fin prêt. C'était le bon ou pas ?